belle journée. Fait doux. La voiture est prête. Je suis arrivé chez le frangin. Et là, et à la voiture derrière, on va mettre le plateau. Top! Oh là là, voilà. Il fait moche. Ah, pour le drift. Selon les autres. Ça y est, on est arrivé au Val-de-Bride. Fais gaffe! Oh, oh. Ah bah bravo, hein! Bah ça commence bien! Arrive, et tu veux faire caca? Pompe, pompe et l'offre. Ouais. Minimaliste. Moi je suis minimaliste, regarde. Ça c'est mon compresseur pour contrôler les pneus. Voilà, c'est tout. Voilà, on y va. La voiture est prête, elle est passée au contrôle technique. Du Val-de-Bride 2023 avec Raver 57, mon frangin. Je serai le président de tous les Français. Tous les Français. Bien cirer sa barre, sa grosse barre. Voilà. Voilà. Bien. T'as bien briqué le chinois.
millésime de 2008, c'est pas mal. Ah, mais il y a quand même des voitures qui coûtent cher là. Putain, 50 chevaux de plus, ça serait parfait pour la parabolique. Mais bah, par contre, les commissaires, ils sont fous de les placer là. Ouais, à mort. T'as plus de frein à main? Si, mais. Il y en a pas besoin aujourd'hui. Ah, t'as pas un bruit de trou ou un truc là? La température est bonne, ça sent pas mauvais, tout est bon. Le frangin, il fait chier tout le monde avec sa musique de Oum Papa. Session 3 l'après-midi, on est avec qui? Nico. Dis le plus fort. Nico. Nico. Moi je resserre le pont, ça fait clac clac clac, j'aime pas ça. C'est quoi tu penses? Le pont desserré ou quelque chose, tu vois. Je vais pas faire de démarrage comme ça. Non, bah non, sans rien. Fini, on va voir ce que c'est. Vas-y, commente. C'est cassé. C'est cassé? Je sais pas si on voit là. Ah mais non! C'est pas le flecteur qui est pété. C'est un cylindre bloc de boîte. D'accord, pas de pont. C'est quoi qui a cassé alors? La vis du cylindre bloc de pont. Je peux peut-être la voir là. Je suis pas sûr qu'elle va sortir. Un marteau et une autre vis maintenant, pour taper dessus. Faut un marteau et un pointeau là. J'ai rien du tout. Bah rien, y'a personne ici. Je me fais un torticolis là en plus. Putain, j'ai rien du tout. C'est un Allemand qui m'a filé un hammer et un machin. J'ai sorti la vis. Bah maintenant il faut trouver. Comment soulever le pont? Bricolage. À l'arrache. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a ni la bite, ni le couteau. On a réussi à sortir cette vis du pont. Là, comme ça. Je soulève le pont pour mettre la vis dedans. On va voir si on la met à l'envers, ça marche. J'ai remis la vis là, à l'envers. L'autre côté, elle est pétée, donc elle n'est pas attachée.
elle dépasse pas du cylindre bloc. J'ai juste posé comme ça et avec le poids du pont, elle est en appui dedans. Elle risque de sortir ou de péter. Il faut essayer quoi. Je suis confiant. Voilà, la vis elle est dedans, à l'envers, mais il faut la brider avec une ficelle pour pas qu'elle sorte de droite et gauche, juste pour pas qu'elle sorte et tout. Je vais essayer de brider la vis avec une ficelle, un raisin ou quelque chose, mais j'ai pas de ficelle, pas de raisin ou quelque chose, même pas un brin de paille. Alors grâce à ma voiture et ma décoration, je vais brider la vis avec ça. Je suis confiant, ça va marcher. Que dalle. Oh bâton. Ah bah c'est bon, j'ai trouvé. Ok, on va faire avec ça. Merci Liquid Molly. Ah tu vois les sponsors, ça sert à quelque chose. Bon, c'est pas terrible, hein. Mais là au moins, la vis elle peut plus sortir. Si jamais elle doit sortir et qu'il y a du jeu, elle va pas aller loin. Parce qu'elle peut pas, il y a un truc devant. Mais c'est bof, hein. On a réparé la voiture, mais je suis pas sûr que ça tienne. Si ça tient, le prochain tour c'est pour toi. La flotte encore. La dernière session avec Océane. Petits oignons, une petite journée sympa avec une aventure mécanique quand même et qui s'est bien déroulée. Une aventure mécanique au milieu d'un désert de caravanes et de plateaux vides avec les Allemands qui m'ont aidé pour juste un chasse-goupille et un marteau. C'est satisfaisant de pouvoir réparer ta voiture et puis rerouler. Du coup, je suis pas allé jusqu'au bout. J'ai pas fait la dernière session parce que je trouve que c'est déjà une chance de pouvoir repartir avec une voiture qui roule. On en reste là. Deux dernières sessions étaient extraordinaires. Bon, les petits jeunes. A plus à la prochaine, comme me disaient les vieux.